C'est Captain V pour une nouvelle vidéo de la chaîne. On se retrouve aujourd'hui sur mon ordinateur pour une vidéo astuce qui va vous permettre de programmer l'arrêt d'un ordinateur. Donc si vous êtes sur Windows XP ou Windows Vista, vous allez ouvrir le menu exécuter et vous allez taper CMD. Et sur les autres Windows, vous allez dans le menu démarrer, vous tapez CMD et vous allez cliquer sur le programme. Ensuite, à la suite de ces écritures là, on va taper shut down, comme je l'écris ici, un espace -F qui va nous permettre de fermer les applications en cours, -S qui va permettre de fermer la session, et ensuite -T pour rentrer le temps en secondes. Donc si vous voulez que l'ordinateur s'éteigne dans par exemple une heure, vous allez taper 3600 avec un espace entre le T et les secondes que vous mettez. Vous cliquez sur entrer et là on a une petite bulle qui nous dit que Windows va s'arrêter dans 60 minutes. Si toutefois vous voulez modifier le temps ou annuler, eh bien vous faites shutdown à la suite et vous écrivez -A pour annuler et vous recommencez avec le temps que vous voulez si vous voulez que Windows s'arrête. Donc voilà, ça peut être pas mal si vous avez un téléchargement ou quelque chose qui est fait sur votre ordinateur et que vous voulez qu'il s'arrête. Eh bien voilà, vous allez pouvoir programmer l'arrêt de votre ordinateur et c'est vraiment très simple. Donc vous allez dans le menu CMD et vous rentrez la commande. Donc je vous mettrai bien sûr tout ça en description de vidéo pour ceux que ça intéresse, pour que ça soit plus lisible. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça vous aura plu bien sûr. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Salut !